Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y en a parmi vous ce soir qui sont présents? Manifestez-vous dans le chat, s'il vous plaît. Merci, bonsoir. Et on va être prêt, on va être ready. Je crois qu'il y a simplement une personne là jusqu'à maintenant, mais c'est pas grave. Voilà, petit live comme ça fait à l'arrache un tout petit peu, même si quand même annoncé depuis 17h environ, j'ai lancé un petit peu le sujet. Je me suis dit, ah, peut-être que ça pourrait intéresser certains. Moi-même d'ailleurs, voilà, ça me tentait ce soir. Petite vidéo, petit live comme ça au camp. J'imagine qu'il va y avoir une rediffusion, donc il n'y a pas de souci. S'il y a quoi que ce soit, je suis en train de me demander si la musique est un poil trop forte. On va continuer à la baisser. On va continuer à la baisser un tout petit peu, voilà, comme ceci. Je sais pas si c'est parfait présentement. Je sais pas si mon micro est trop fort ou trop faible. Voilà, je le pousse un tout petit peu vers l'extérieur pour que ce soit mieux. Je me prépare tout simplement. Donc ici, petite actualisation, voilà, ça c'est fait. Ensuite, je crois que je vais être ready. Donc très important, voilà, le jeu est ouvert, oh là 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 là. En espérant que ce soir, ben, que tout aille bien, déjà, pour commencer, ça irait déjà pas mal. Et donc, j'ai même envie de descendre encore un peu la musique, même. Allez, on descend encore un peu le son. Voilà, comme ça, ça devrait être bien, je crois, en termes général. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires ou autre pour m'avertir. Juste dans les commentaires, évidemment, dans le chat, puisqu'on n'est pas vraiment sur YouTube non plus. Et bien voilà, je vais pouvoir passer sur le jeu maintenant. Gaming Sand, s'il vous plaît, voilà. Est-ce que je laisse le chat là? Bonne question. Non, je vais pas le laisser là et je vais en profiter pour... Voilà, ça c'est fait. Et pour activer la playlist de la musique, donc pour ceux qui se poseraient la question quelle musique est en train de jouer, etc. Et bien comme ça, ils vont être au courant de tout. Donc tout semble être en bonne position pour commencer. Et on a R3 Devils qui dit yo à toi aussi. J'espère que ça va bien de ton côté. Est-ce qu'on a l'écran du jeu? Voilà, c'est bon, parfait. Parfait, on semble avoir le tout. Donc, on se retrouve sur Strand Deep, un jeu de survie. On va se la jouer un petit peu à Seul au monde. J'espère qu'il y en a qui ont vu ce film. Ça date quand même, ça date. Les plus jeunes vont peut-être pas l'avoir vu, ne vont peut-être même pas savoir qui est Tom Hanks qui jouait le rôle principal. Donc, c'est tout simplement, on est dans un avion, crash d'avion, on doit essayer de survivre. Voilà, c'est pas plus simple que ça. Donc... Pourquoi je dis que c'est pas plus simple que ça? Parce que, ben, justement, il faut apprendre à survivre, il faut apprendre à devoir affronter les intempéries. Je vais descendre le son principal quand même aussi du côté, quoique... Ouais, on va descendre quand même le son principal, je trouve que ça pourrait être pas mal. Allez, on appuie, comme ceci, on va pouvoir revenir et on va pouvoir starter. S'il y a quoi que ce soit du côté du son, n'hésitez pas à m'en faire part justement sur le chat, s'il vous plaît. Ça serait vraiment un réel plaisir parce que malheureusement, j'ai pas trouvé encore une fois de méthode à savoir si les sons sont corrects, malheureusement. Et donc, c'est en train de charger 88%. Et c'est parti. Winner serving truly and make yourself a martini. D'accord. Donc on va devoir se payer un petit chemin. Bon, on le voit, on commence direct dans un avion. Donc tout simplement. Là, juste un instant. Si je fais bas, est-ce que je peux? Non, je peux pas. Et si je fais. Là je tente quelques petites touches les amis. Veuillez me pardonner. Veuillez m'excuser. Simplement parce que, bon, là présentement, je peux pas voir le chat, c'est simplement que j'ai été répondu. Mais je peux rien faire. All to craft a martini using the craft group on the truly. Donc. Voilà, ça c'est notre backpack. Oh, voilà, tout va bien, merci. Vends-moi du rail, c'est correct, faudrait voir avec le son du jeu. Ah, d'accord. On va regarder un petit peu avec le son du jeu. Je vais le laisser comme ça, quoi qu'on pourrait. Présentement, j'ai pas de méthode pour pouvoir le. Comment je pourrais dire le PSO ou quoi que ce soit, ou l'augmenter.
Donc, on va devoir faire avec, j'ai envie de dire. Donc, je tiens ainsi Craft Martini. Voilà, ensuite, y aller avec table, voilà, pour allumer notre martini. Le son du jeu est un peu trop fort. Ah, d'accord, le son du jeu serait un peu trop fort. Je vais peut-être trouver une autre méthode. Je vais tout simplement baisser le son. Ici, le son principal. Voilà, par exemple, je vais le descendre à 60% du côté du son de mon stream. On va peut-être augmenter en arrière un tout petit peu la musique parce que je voulais, ben voilà, y jouer avec l'ambiance, à voir si le tout va être correct. Bon, il me restait juste à flamber mon martini. Allez, c'est parti! Voilà. Et ensuite, E pour pouvoir justement prendre, voilà, mon petit martini. Et drink avec LMB. Je sais toujours pas qu'est-ce que LMB. Qu'est-ce que la touche? Wow! Allez, on lance le martini et on fait tourner les serviettes. je peux le reprendre ou comment ça se passe? J'ai beau faire ah, d'accord. Ah, all crafting and building combination is trend deep. All construct head back to your seat is going to be a long flight. Donc voilà, donc là on a appris un tout petit peu à savoir comment on pourrait crafter, entre autres, etc, etc. Je peux pas me baisser encore, mais bon. Affaire à suivre, tout simplement. Là, il me demande tout simplement de rejoindre mon siège pour l'occasion. Donc, c'est ce que nous allons faire. Bien sûr, bien sûr. Donc là, vraiment, là, c'est la première fois que j'ouvre le jeu. Je ne l'avais aucunement ouvert. Et donc, ben, je dois faire avec les touches, tout simplement. Je crois que ça va être un crash, les amis. Ça va être un crash, un 10 sur 10. Oh merde, je crois que ça va être à moi là. Et si je vais aller plus rapidement. Oh, et d'accord. Si. Là, on doit retourner à la surface tout simplement. Voilà. Oh la vache là. Là, j'imagine que je vais monter sur mon petit radeau. Voilà, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'aime pas trop voir la turbine par contre directement devant moi. Je vais pas vous le cacher. Voilà, voilà. Ça c'est un crash d'avion. Ça c'est de la survie, les amis. Bon. Bonjour. Ça va? On a le droit à un petit soleil là. On regarde les canards. Il est présentement 7h37 du matin. On se retrouve à Island Beach. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Terminus. Tout le monde descend. Allez, on va prendre la petite rame. Allez, rame. Rame, moussaillon. Oh, d'accord, il y a un bateau là. D'accord. Oh merde. Bon, allez. Allez, monte à la surface, monte à la surface. Est-ce que je peux l'emmener avec moi? Voilà, c'est bon ça. Ça c'est bon, allez, on va le tirer, on va le garder avec nous. Voilà, on va même... Voilà, on va essayer de se le garder. Voilà, ici, ça devrait être plutôt pas mal. Bon, si on regarde un petit peu, qu'est-ce que nous avons en inventaire, les amis? On a un briquet, on a un couteau, on a une bouteille d'eau. Et on a une... Bagaille, comme je dirais. Salut à toi, JB. J'espère que ça va bien, toi aussi. Donc, on va plutôt passer sur le couteau, j'imagine. Et donc là, c'est parti pour la petite période de survie, j'ai envie de dire. Et c'est là que les choses se gardent un tout petit peu. Donc, ben, on est laissé à nous-mêmes, voilà, sur plein de petites îles. Il y en a une autre là-bas, on peut déjà voir. Ensuite, il y en a une autre... Ah, d'accord. Une autre là-bas qu'on voit un tout petit peu. On a une épave de bateau qu'on va pouvoir aller explorer. Wow, 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 wow. Tu te calmes le panier. ok, ça c'est pour courir. Parfait. Les touches sont quand même assez instructives quand même. Il y a ça qui est plutôt plaisant. Donc, tout simplement, bon, on court avec Shift. On va ramasser des objets avec E. Donc là, ici, voilà, un petit bâton de bois, on va récupérer. Et donc... D'accord, on n'a pas d'ombre, parfait, on est l'homme invisible. Et donc, oui, effectivement, on va récupérer quelques petits trucs parce que j'ai déjà vu quelques images du jeu, notamment, par exemple, comment faire un feu de bois
et etc etc. Donc il me faut des cailloux, il me faut voilà des petits bâtons également. Il y a du crabe ici que je vais pouvoir manger d'ailleurs, parce que bon voilà, va falloir essayer de se nourrir quand même. Sauf que on n'a pas d'indicateur pour nous dire bon si j'ai faim ou quoi que ce soit. Alors ça va être chaud 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 les amis. Présentement 9h, on va essayer de se préparer un tout petit peu, question d'être prêt pour justement ben, pour la nuit. Et donc allez, un autre petit stick ici, on récupère. Sinon je rappelle toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le jeu ou quoi que ce soit. Je vais faire de mon mieux pour vous répondre. Également, même chose, si vous trouvez qu'il y a quoi que ce soit d'inconfortable, que vous vous dites, oh là 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 là, le micro est tout simplement trop fort, la musique est trop forte, la musique est pas assez forte ou quoi que ce soit, alors là aussi, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Petite roche ici, petit stick également. Là, je me retrouve avec 5 bâtons, 3 cailloux. Je devrais être bon, je crois. Je devrais être bon pour me faire un petit feu de camp. Évidemment, pour survivre, ben, on va devoir se promener un peu entre les îles. Là, vous pouvez déjà voir un petit requin également. Donc, vraiment, 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 va falloir faire gaffe. Également, un autre, peut-être, épave un peu plus loin. Ça va être à regarder. Ici, on a, tout simplement, un petit plan de potato. Donc, on va prendre. Allez, on prend. Voilà, on a 3 patates. Et notre inventaire est maintenant plein. Alors, moi, je propose qu'on reste ici pour pouvoir, s'établir. Certes, je vais aller, partir à l'exploration tout simplement à gauche et à droite, mais en tant que tel, je vais explorer et m'installer sur cette petite île, comme ça va être l'île de référence. Sinon, on me dit, ça bug un peu, je pensais que c'était moi. Ça bug un peu. Attendez un instant, je vais regarder. Désolé, désolé, je repasse un petit peu sur l'inventaire. En allant sur l'inventaire, ça me permet. Donc, techniquement, non, tout devrait être bueno, tout devrait être parfait. Je tourne à 60 FPS, il n'y a pas eu de chute ni quoi que ce soit. Donc, peut-être essayer en relançant le stream ou autre, ça pourrait être la solution. Mais vraiment, désolé si malheureusement ça bug de votre côté. De toute manière, je répète, il va y avoir une rediffusion sur YouTube. Coucou à vous. Et voilà quoi. Tout simplement. Donc, bon. Qu'est-ce que je pourrais bien me faire pour l'occasion? Je pourrais peut-être faire notre petit feu de camp direct ici. Je sais pas si je vais être correct par contre en ce qui concerne ce que j'ai besoin. Donc, allez, on va 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je vais... Non, tu la laisses par terre, s'il te plaît. Ensuite. Allez, on rajoute même celle-là. Qu'est-ce que je peux faire? On va faire un camp... Ah, un camp, il me fallait simplement 5 sticks. Parfait. Donc, allez, on a un petit feu qu'on va pouvoir faire. Où est-ce que je le mets? Moi, j'ai envie vraiment de le mettre en plein milieu ici. Tout simplement, je m'en bats les couilles, quoi. Allez, ouais, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu à l'ombre. Sur des roches, c'est parfaitement safe. Et donc, pour l'allumer, alors là, on va prendre notre briquet, voilà. Ben voilà, petit feu de bois, les amis, au calme. Donc, voilà. Et donc. Là, je vais chercher à prendre un petit peu plus les devants. Où est mon canot? Ah, d'accord, il est là. Je vais essayer de le rapprocher, de le mettre un petit peu plus proche, justement, de mon petit feu de camp. Allez. Allez, bébé. Allez, tu viens avec moi. Oh là. Bon ouais, effectivement, la physique n'est peut-être pas au rendez-vous. Je rappelle quand même que, voilà, c'est un jeu qui est en Early Access, donc c'est l'alpha. C'est loin d'être le jeu définitif. Ça a beaucoup de chances de changer quand même dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, si le jeu dure aussi longtemps. Donc là, je veux juste ramener un petit peu plus proche mon radeau, comme ceci. Question qu'il soit en vue de mon petit feu de camp. Je vais essayer d'ailleurs de l'améliorer, ce feu de camp. Ça serait quand même plutôt pas mal. Allez. On le rapproche encore un peu. Voilà. Ici, ça devrait être parfait. Donc. Mais on va continuer à chercher à bien s'installer. Je regarde encore un petit peu sur le chat, il me dit établis un petit hôtel au calme, 5 étoiles avec piscine chauffée, tu vas gagner un max. Salut Jaden, salut à toi. Et donc, effectivement, ça serait une belle petite place de destination rêve quand même. Donc,
petit 5 étoiles en bois rond, les amis. Made in Québec, s'il vous plaît. Et donc, bon, là, pour améliorer le feu pour l'occasion, eh bien, il me faut des cailloux. J'en ai présentement 3, il m'en manque 3, je crois. Dans ma mémoire, il me faut 6 cailloux pour pouvoir améliorer mon feu. Et donc, quoique, bon, le feu, on va pas se le cacher, c'est pas ça non plus qui est le plus dur à faire. Simplement besoin d'avoir quelques petits cailloux, quelques petits billots de bois. Et le tour est joué. On a également quelques plantes ici. D'ailleurs, je vais en profiter. On va prendre le couteau. J'ai de la nourriture avec la patate. Donc ça aussi, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Ça, on va avoir des cordes. Ensuite. Ah, voilà. Une petite roche. Qui m'est bien. On va récupérer encore un peu de cordes. C'est plutôt pas mal aussi pour pouvoir se faire une hache made in maison. Ça veut absolument rien dire, mais c'est pas grave. Donc, alors, si je regarde encore une fois, deux cailloux. Il me manque deux cailloux. Et ensuite, bon, du coup que je vais avoir réussi à faire mon petit feu, on va peut-être aller explorer l'épave là-bas. Ça pourrait être plutôt pas mal. On peut tomber sur pas mal de choses. Je crois qu'on peut tomber sur des flares. Donc les flares, juste pour expliquer un petit peu la chose, traduire aux non-anglophones qui seraient parmi nous. Eh bien, quoique, ça veut absolument rien dire encore une fois ce que j'ai dit. Donc les flares, c'est tout simplement des feux de détresse. Voilà. Ça peut être pratique lorsque la nuit va être tombée. Si je décide quand même de vouloir explorer ou de garder certains points allumés, je sais pas, une nuit tombée. Et ici, il y a un stick, on va en profiter, on va le prendre. Voilà, un stick. Oh, un petit caillou. On prend ça aussi. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres choses où j'ai pas mal tout pris là présentement? Un plant de patate ici qui va repousser. Donc, c'est justement lui que j'ai coupé. Donc, faut dire que les plantes et, j'imagine, même chose du côté des palmiers, peuvent repousser. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. D'ailleurs, notre petite roche ici, un petit caillou. Et donc là, je crois que je vais être correct côté caillou là. Ouais, parfait, on va pouvoir améliorer le feu de bois. Donc, il n'y a pas vraiment d'objectif clair et net. Sauf que là, Qu'est-ce que mon briquet fait là? Donc, attendez, un petit test. On va repasser sur table, on va prendre les cailloux en main. On va les laisser tomber tout simplement proche du feu. Hop, comme ceci. Ensuite, on va sélectionner ceux-là. On les laisse tomber également. Je vais même récupérer mon briquet par la même occasion. Allez, parfait. C'est fait. Et on va pouvoir crafter un fire pit. Donc tout simplement un petit feu de bois un petit peu plus amélioré. Voilà, au calme. On se fait plaisir tout simplement. Ensuite, on a AirDevil qui dit en fait j'ai des micro-freeze. Et du coup, quand la vidéo reprend, ça saute certains passages. Suis-je le seul? Et Jaden qui me dit ben pas capable de regarder ton live. Sincèrement, je vais même vous écrire directement dans le chat. Voilà, je vais prendre une petite pause, les amis. Excusez-moi. Sincèrement, j'ai aucun problème de mon côté. Comment je pourrais dire, mon logiciel de stream me dit que tout est OK. Vraiment désolé. Voilà. Je peux pas dire d'autre chose de plus. Je suis vraiment désolé. Voilà. Tu saurais pas descendre la qualité. Rapido presto. Oh là. Effectivement, je pourrais peut-être essayer. J'ai vraiment aucune image perdue. Je suis à côté, 60 FPS. Il y en a qu'on ne plante pas. Donc, pour ceux qui sont par exemple sur YouTube, eh bien, vous, évidemment, vous n'aurez aucune perte. Tout devrait être bien correct. Le seul ennui pourrait peut-être venir du son, mais encore là, selon moi, ça va être bueno également. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, je tente tout simplement. J'ai fait une gaffe. Sans pas mal exprès, j'ai fermé mon chat. Ah, la misère, quoi.
la misère. Plus aucune flamme. Oh. Ni perte de connexion. Sinon, il y aura une rediff demain. Voilà, donc ça c'est indiqué également sur Facebook. Donc. C'est plutôt ballot. C'est plutôt ballot. C'est fort dommage. J'en suis parfaitement conscient. Je m'en excuse d'ailleurs. C'était pas prévu par contre qu'il y ait une perte comme ça. Je vais tenter là de réavoir accès à mon chat. S'il te plaît, cher navigateur, si tu pourrais me faire plaisir pour l'occasion, je me rendrais heureux. J'attends un petit peu. Bon, maintenant que ça semble se reconnecter. Je vais continuer quand même un petit peu à jouer, quand même. Et donc, allez, on regarde, il est quelle heure présentement? Il est présentement 2h05. Alors, on a le temps d'aller explorer un tout petit coup là-bas, d'ailleurs. Parfait, ici, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coffre. Il y a quelque chose? Oh, du duct tape. Allez, on prend. C'est tout? Ouais, c'est tout. Voilà, allez, on ressort. Ouf. Ben c'est reparti tout simplement. On va se rendre à l'épave. J'espère quand même pouvoir monter parce que bon, elle est pas coulée non plus. Je dois faire attention également du côté des requins. Si on plante. Oula! Ah, mon personnage qui. Il est pas en grande forme là. Si je veux manger. Voilà une petite patate. Oula! Je lance des patates, moi! Je lance. Je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Et là, par où je pourrais rentrer? Peut-être par la nage. Non, ça semble pas possible. Ici non plus, je fais le tour. Ah! Non, même pas! Ah, dommage! Dommage! On pourra pas monter ici. La seule chose que je me demande, par contre, c'est qu'on n'a pas, si je fais tout simplement start comme je viens de faire, ou échappe plutôt, trop habitué d'être sur console, mais j'ai rien, tout simplement. J'ai rien qui m'indique, que si ben, mon personnage est malade ou quoi que ce soit, ça c'est un petit peu... Oh, d'accord. Je crois être bon pour... Non, ça veut pas sauter. Est-ce que je peux m'accrocher? Ouais, non! Allez, s'il te plaît! Il ne veut pas. Il ne veut pas. Je crois que ça va être à oublier, simplement. Oh! Non, ça ne fonctionne pas. Bon. D'accord. On va regarder les cas là. 15h26. Il y a encore quand même un petit peu de temps. Je vais me mettre encore une fois sur table. Je vais essayer. Encore une fois, j'ai tellement de problèmes avec Twitch, c'est un truc de grand malade. Je tente de relancer le coup. Allez, s'il te plaît. Il ne veut pas, hein. Parce que là, le problème, c'est que... On a des problèmes. Là, sincèrement, ceux qui m'écoutent, j'ai plus accès au chat. Alors, je suis franchement... Désolé, j'attends que le tout charge, mais ça semble vouloir charger de manière indéfiniment. Donc, non, sincèrement, vraiment désolé. Ici, ben voilà, une petite épave. Une petite épave ici. Donc, bon, allez, c'est parti. Une porte. Hop, voilà. Un locat. Bon, ça, il n'y a pas besoin. Pas besoin. Un couteau, j'en ai déjà un, donc pas besoin non plus. Oh, une machette, par contre. Achète, ça j'ai besoin. Qu'est-ce que je peux... Voilà. Voilà. Par contre, je voudrais pas me... Je vais juste remonter à la surface. Hop là. Un petit instant, on va attendre. Et on retourne. C'est parti. Donc, on
passait ici. Il y avait une, quand même une autre porte. Ça y a rien. Un locker. Une hache. Oh! Oh, une lampe de poche. Une lampe de poche. Parfait, parfait, parfait. Attendez. On va juste retourner à la surface encore un peu. Je vais regarder qu'est-ce que je pourrais jeter. Non, j'aimerais mieux garder ma... Oh là là. Je crois qu'on va retourner sur l'île pour l'occasion. Je vais aller... Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est effectivement ce que nous allons faire. Je vais retourner sur l'île. Est-ce que j'ai encore le temps? 4h30. Le soleil tombe d'ailleurs. La nuit va être à peine arrivée. J'ai hâte de voir un peu ce que je vais pouvoir faire par contre pendant la nuit. Ça, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais bon. Allez. Allez, l'ami. Allez, Michael Phelps. Voilà. Donc, je vais pouvoir aller déjà porter ma rame ici. Donc, allez, on se l'équipe. Je la lance ici, parfait. Ensuite, on a notre petit feu. Je crois que... Parce que là, je vais aller chercher la lampe de poche quand même. Je vais aller chercher la lampe de poche. Alors, du coup... On va laisser... T'es sérieux, là? Mon feu est déjà terminé? Ah ouais, ça rigole pas ici, quand même, hein? Petit feu qui aura duré maximum une journée. Ah, c'est bon à savoir, quand même. Donc, on va plutôt... Voilà, on boit un petit coup. On va la mettre ici. Parfait, elle va nous attendre. Moi, je vais essayer d'aller chercher une hache pour, ben, justement, recréer un petit peu de bois au calme. Et donc, je vais pouvoir... est-ce que je drop? Non, non, non. Je vais garder la patate quand même. On sait jamais. C'est reparti. Et c'est reparti. Allez, l'ami. T'es capable. T'es le meilleur. T'es le plus fort. T'es le plus beau. Avant que le soleil tombe, surtout. Donc, je vais sûrement devoir nager un tout petit peu à la noirceur, je crois. Mais ce sera quand même pas trop, trop mal non plus. Alors... c'est parfait, parce que là on le voit déjà, là les fonds marins, on voit déjà un petit peu que là, ah je me suis vraiment trop mal pris, je vais me reprendre un instant, voilà, parti, là je suis allé un petit peu trop bas par contre, et je me suis encore une fois mal pris. Allez, prends, prends, prends. C'est pris. Ouah, je vois que dalle, quoi. Allez, parfait. Ouh, chaud cacao quand même. 18 ans, parfait. Bon, ça va être important de prendre ça en note quand même. Dans le sens où, à 18 ans, c'est la noirceur, on voit que dalle dans les épaves. J'ai joué un petit peu avec le feu parce que j'aurais pu me tromper un peu de sens. Quoi qu'en même temps, bon, l'épave est... Voilà. Et il est fait en longueur, alors... Là, vous le voyez, c'est aussi... Là, lorsqu'il y a des petites bulles comme ça, ça veut dire qu'il y a une épave. Bon, là, disons qu'il n'y a pas trop de cachette, on le voit. Mais c'est quelque chose quand même à remarquer. Ça peut paraître con, mais voilà, ça peut avoir son importance. Et donc, si je veux utiliser la lampe de poche... D'accord? Parfait! Donc bon, ben, ça peut être pratique justement pour pouvoir... Il y a ma bouteille qui... Voilà, qui est partie au vent. On en parle! On en parle de la bouteille! Allez, machette! Donc, il semble que je n'avais pas besoin d'avoir la hache pour pouvoir me refaire... un petit coup de... Voilà! Et en plus avec les noix de coco qui tombent, ben c'est merveilleux. Donc les noix de coco, tout simplement, ça va pouvoir nous servir ben, pour boire, pour s'hydrater, de un. Mais également, on va pouvoir, un coup qu'on va les avoir bu, de pouvoir les manger. C'est franchement ben, très 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 pratique. Là vous le voyez, j'ai réussi à couper un tout petit bout. Donc on se retrouve avec un bio. Et là ensuite, je vais transformer tout simplement le bio pour avoir plein 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 de petits bâtons.
Voilà, comme ceci. En train de me poser comme question. Si je devrais pas plutôt essayer. Si je devrais pas plutôt. Qu'est-ce que je pourrais tenter pour l'occasion? Là, je suis retourné un petit peu voir mon chat actuel. Ah, voilà! Le chat qui va pouvoir revenir. Allez. Ici. Hop, hop. Parfait, parfait, parfait. Et le chat qui... Non, il est reparti dans un mode de téléchargement. Ah non, c'est bon, c'est confirmé, mon chat est revenu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, c'est maintenant. Alors que je vais me faire d'autres petits sticks. On va se refaire un petit peu. Est-ce que j'ai bien... Ouais, j'ai quand même bien entamé la machette. Peut-être que ça serait mieux à la hache, par contre. Peut-être que la hache est plus... Je sais pas. Un petit peu plus pratique. Donc, alors nous, on va se faire un petit peu comme ça. On va le porter là-bas. Non, je peux pas le remettre au milieu. Ah ouais, dommage ça, je peux pas réutiliser mes pierres. Ici je le mets à côté. D'accord. Pas trop compris de trucs. Pendant un moment je me dis. Non, je peux pas réellement. Ouais, j'ai pas trop compris le truc là. Tout s'affiche en orange. Je sais strictement pas quoi faire pour l'occasion. Très très bonne question quand même. Très très bonne question. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je peux pas le défaire. J'ai du doctrine que je sais strictement pas à quoi ça va pouvoir servir. Bon, mais c'est pas grave quand même. Donc, nous pour l'occasion, on va se reprendre. Dommage qu'on peut pas se faire par exemple un coffre ou quoi que ce soit pour qu'on puisse justement mettre le tout dans un coffre assurer le coup. D'accord, j'essayais un peu avec le briquet, je me disais est-ce qu'on peut tenter de foutre le feu au crabe? Oui non, ça fonctionne pas trop. Allez, on reprend la hache. On va se faire d'autres petits sticks. Également, c'est toujours pratique. Et ça va être fait par la même occasion. Est-ce que je peux direct y aller et prendre le... Non. Est-ce que... Attendez un instant. Je vais tenter un truc. Là, je mange la patate. Est-ce que je peux, par exemple, prendre le bio? Non. Et ça non plus, en fait. Donc... une question résolue, j'ai envie de dire. Donc, je voulais tout simplement essayer de prendre le bio à la grosseur qu'il est présentement et voir, je sais pas si j'aurais pu le prendre. J'imagine que j'aurais pu faire quelque chose d'un petit peu plus spécial. On le voit, il y a les crabes. Il y a de la nourriture quand même. Il va y avoir moyen de pouvoir se nourrir. Il y a les poissons également autour des petites îles. Hop. Hop. Et hop. Je vais en profiter pour prendre des sticks. Parfait, là on est plein en sticks. Je vais les prendre. On va aller les porter justement à notre petit feu. Sinon, je suis en train de me dire pour se baisser ou quoi que ce soit. Pour sauter, parfait. Ah, parfait, c'est. Bon. Une chose d'appris, j'ai envie de dire. Maintenant. Voilà, ça c'est fait. Aller chercher les autres petits bio. Hein? Voilà, ça devrait être correct. Je tente des expériences pour le coup. Là, on relance. Non, il me propose simplement... Il me propose simplement de pouvoir faire des petits feux. Je peux pas réutiliser le petit camp ici. Regardez. Parce que je veux le faire... Oula!
Lorsque je vais refaire le petit camp, même si les pierres sont tous illuminées et qu'ils me laissent l'idée de, ben, de pouvoir justement le faire, eh bien, il ne veut pas. Donc, bon. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai envie de dire. Donc, pour l'occasion, il est quelle heure dans tout ça? Il est présentement 3h du matin. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour tuer le temps? Bon, là, je vais me laisser, je vais retourner voir le chat. Il n'y a pas des questions? Non, il n'y a rien, tout simplement. Donc, bon, ben voilà, pas de questions. Et moi, de mon côté, je vais plutôt aller avec un petit... je vais aller voir. Et là, je triche un peu. On a Stranded Deep Craft. Peut-être même un wiki. Je crois qu'il y avait un wiki qui avait été créé, d'ailleurs. Effectivement. Et là, je vais regarder. J'ai regardé quelques trucs. Sachant, bon, qu'est-ce que je peux crafter? Oula. Ah, d'accord. Oh, intéressant. Attendez. Je viens d'avoir un petit quelque chose d'intéressant. Lorsqu'on regarde sur notre monde, avec un clic droit, comme on disait. Non, c'est pas ça. Clic gauche. Oui! Avec le clic gauche, on peut savoir bon, notre barre de vie. Ensuite, on a notre sang de l'autre côté. Dans le milieu, je ne saurais pas quoi dire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la soif? Est-ce que c'est la faim en général? Est-ce tout simplement un peu des deux, j'ai envie de dire? Là, si je redonne un coup, non. On a tout simplement deux modes sur la montre. Parfait, parfait. Il y avait des noix de coco. On va aller voir un peu les noix de coco. Donc... bon, les noix de coco, sur le coup, on ne peut pas rien faire lorsqu'ils sont green coconut, donc on doit un petit peu, voilà, les nettoyer. Un petit coup sur la noix de coco avec la machette, on sait bien. JB qui me pose comme question, tu vas faire une série Minecraft bientôt? Écoute, j'ai tellement d'idées de séries, la seule chose qui me bloque présentement, c'est Assassin's Creed et NHL. Si ce serait moi NHL, j'aurais envie de mettre ça un petit peu sur la glace. Sachant que, bon, voilà, certes, il y a un petit peu une baisse de régime de mon côté, une baisse d'intérêt également du côté de l'hockey, donc c'est un petit peu dur. Pour moi, tout simplement... de faire des vidéos sur NHL présentement, même si, voilà, je me force quand même à vous en proposer, puisque je sais qu'il y en a qui aiment ça. Et rapido presto du côté des autres séries, bon, en l'occurrence Assassin's Creed, justement, eh bien, lui, un coup terminé, là, je vais... ça va être la folie, ça va être la folie furieuse. Bon, allez, on va se boire un petit coup de noix de coco. Est-ce que je peux regarder sur ma montre? Donc, on regarde bien, il y a une baisse au milieu, alors... Voilà, là j'ai bu. Si je regarde, j'ai pas l'impression que ça remonte. Et merde. Là je fais comment moi pour me garder. Et là surtout que je peux pas boire la noix de coco. Ne veux plus. Non, ne veux plus. Allez, noix de coco dans le feu. Là je pourrais faire un autre camp mais on va plutôt attendre. Le soleil qui se lève, ça c'est une très très bonne nouvelle. Je croyais qu'il y avait des noix de coco ici. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est aussi pire que lorsqu'il faisait nuit. D'accord, on a une noix de coco ici. Je vais tenter de la tailler un peu. Donc là, je l'ai directement pris. Je peux rien faire. Bon, achète, s'il vous plaît. Achète. Fais pas de folie, là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je prends. Donc là, je suis surpris. Je croyais qu'on pouvait manger la noix de coco après l'avoir bu. Non, même pas. Même pas. Attendez, là, il y a peut-être un petit quelque chose que j'ai pas compris. D'ailleurs, là, j'ai un problème tout court, là. Je vais pas vous le cacher. Je peux même plus aller voir mon inventaire, quoi. Et d'accord, ça, je peux le faire. Ah, parfait, c'est revenu.
J'ai eu peur pendant un moment. Et GTA, ah GTA, ça c'est loin ça GTA. Ça c'est loin ça GTA. Bon, allez, on va tenter. Moi je veux la manger cette noix de coco tout simplement. Regardez, je peux même pas la taper. Ah oui, parfait. Hop, hop, on prend. Oula, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, on mange. On mange. Je regarde la montre. Et ben voilà, finalement on a trouvé qu'est-ce que c'était. Donc bon mais on va être correct. On va être correct les amis. On va pouvoir recontinuer un petit peu notre exploration. Et ici j'ai mon petit. Quand même franchement déçu qu'on puisse pas reprendre les pierres ni etc etc. Donc pour l'occasion on a notre bouteille d'eau également ici qu'on va reprendre d'ailleurs. Voilà. On peut toujours réutiliser d'après ce que je voyais. Si je tente de. Oula! Et là je peux plus boire. Est-ce parce que je suis correct? Oh! Non, ça n'a rien à voir pourtant. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. Alors on va faire le petit coup à la noix de coco. Allez, machette. On se baisse. Voilà, parfait. On récupère. Et on mange. Là, si je regarde. Parfait. On est à 100% là. On est prêt, on est chaud, voilà. Far Cry 3, les amis, nom de Dieu. Bon. On va aller explorer une autre île. Est-ce que je vais à la nage ou avec mon petit bateau? Petit bateau duo, oui. Je crois que je vais y aller en bateau. Ça va être plus sécuritaire. Peut-être pas le plus rapide, mais assurément le plus sécuritaire. Allez. Hop là. Parfait. Je crois que j'ai percé mon bateau. J'ai percé mon... Bon, allez. What? Ah ouais, ouais. J'ai vraiment perdu. D'accord, quoi. Oula. Oula, quelques petits... Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée, finalement, de l'amener sur le bord de l'eau. Et percer le bateau. Attendez, is deux. Quelques petits problèmes de physique. On va aller plutôt par là. Ça semble pas mal, là. J'ai envie de dire. Là, j'ai regardé un peu, donc... Salut, Lassio. Et bien, salut à toi aussi, Marc 134. J'espère que ça va bien. Bienvenue pour ce petit live sans pression sur Strand Deep. Sinon, c'est... Mon de Dieu. J'ai oublié un truc, les amis. J'ai oublié un truc. Non, parfait. Ça semble plutôt pas mal. Bon. Bon, bon, bon. Allez, c'est reparti. Je suis juste en train de me dire, avec l'entête en haut du stream, ben, vous pouvez pas voir l'île suivante. En train de me demander si je devrais pas augmenter l'opacité, ça serait... Ouais, 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 je crois que c'est ce que je vais faire. Est-ce que j'ai encore du temps devant moi? Ouais, amplement, amplement. Allez. Je vais juste aller vous faire un petit truc. Ah, quoique... Non, finalement, ça dérange la part. Non, ça doit être parfait. C'était un petit peu trop sévère. Allez, rampe. Petit moment d'hydratation, toujours très important, les amis. Ouais, on va aller à cette île. Bon, en même temps, c'est sûr que j'ai pas bâti énormément de choses. Donc, il n'y a pas quoi de se vanter. Mais j'aimerais bien apprendre à faire, je sais pas moi, un coffre ou quelque chose du genre qu'on puisse emmagasiner des choses sans les perdre. Ce serait quand même franchement pratique. J'imagine que juste en les mettant à terre, eh bien, on va pas nécessairement les voir disparaître au premier coup ou quoi que ce soit. Mais en même temps, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ça serait un petit peu plus sécure. Aïe, ça bug, mais nom de Dieu, quoi!
En plus, j'ai rien fait, je comprends pas. Parce que moi, présentement, rien bug. Je regarde le stream de mon côté. Tout est correct, il n'y a pas de souci. Attendez, là, je vais encore une fois regarder. Voilà, non, c'est... Sincèrement, je vois pas. Je vois clairement pas où est-ce que le bug peut venir, parce que moi, de mon côté, j'ai zéro problème. À suivre, tout simplement. C'est vrai qu'en même temps, il y a personne qui est venu me voir pour me dire « ça bug pas, tout est ok ». Tout le monde est venu me voir pour me dire « ça bug à mort », donc... Aïe, aïe, aïe. Le stream de la douleur. J'avoue que ça serait intéressant si je pourrais savoir au moins de où ça pourrait venir. Alors, je vais juste faire un autre petit coup d'œil, par exemple, si je ferme ceci. Et je regarde, est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais fermer? Si je ferme ceci. Ceci. Allez, on va laisser ça comme ça. Je vais jouer au péril live finalement. Donc vraiment désolé si ça bug. Franchement, désolé, c'était pas mon intention. C'est sûr que lorsqu'un live bug, c'est rare que ça va être l'intention du streamer quand même. Donc, alors, on se déplace sur l'île suivante. Le truc, quoi. Ah, il y a une épave ici. Je me demande si j'y vais. Il est encore tôt, il n'y a pas de requin à l'horizon. Par contre, je suis plein, moi. Moi, je suis plein. Donc, on va tenter un truc. On va lâcher la petite pagaille. Et c'est parti. D'accord. D'accord, donc ça se retrouverait à être... Là, je regarde un tout petit peu. Je vois pas trop. Est-ce que je pourrais aller? Vous le voyez, ce côté-là est effondré, donc je peux pas y avoir accès. Là, je suis pris. Ah, là oui, par contre. Encore un petit peu bizarre avec la nage, c'est pas toujours évident. La porte qui ne peut pas s'ouvrir. Allez, vite! Bon, allez, ça ne va rien avoir, donc on va retourner plutôt sur notre radeau et on va continuer. Allez. S'il te plaît. Parfait. On se rééquipe. Allez, on prend. Et on pagaille. C'est vrai que c'est quand même long, par contre. C'est peut-être une des choses que, lorsque j'ai découvert le jeu, que je déplorais, c'est le fait que ce soit tout plein de petites îles. Je sais pas trop quel est le but. Est-ce que c'était pour nous forcer, tout simplement, à devoir bagailler, faire face, je sais pas moi, aux requins, etc. C'est vraiment quelque chose que je déplore. Bon, après, c'est une alpha, donc j'imagine qu'ils veulent se concentrer sur les mécaniques du jeu avant de se concentrer sur l'environnement. De toute manière, vous le voyez, je suis même pas à 100% du jeu en ce qui concerne les graphismes. Donc, il y aurait place encore un peu à l'amélioration, même si je suis quand même dans des configurations plutôt élevées présentement. Il y a encore plus élevé. Alors, le jeu est quand même beau. Les effets, que ce soit les effets de lumière, que ce soit, regardez, on regarde le bâton, on voit bien quand même que c'est plutôt bien fait du côté du plastique. Et... les eaux lorsqu'on plonge, etc.
Donc, c'est quand même plutôt bien fait jusqu'à présent. Je l'ai pas dit, mais c'est un jeu qui coûte présentement 17$ sur Steam. Donc, voilà, je me suis risqué, j'ai décidé de l'acheter après avoir vu quelques petites vidéos. Je me suis dit, allez, c'est amplement pour moi, j'en suis pleinement satisfait. Et donc, ben voilà. Est-ce que je peux ramener même sur le sol? Oui! Pas mal, pas mal. Allez, on va pouvoir laisser notre petite rame ici. Bon, on le voit, il y a de la roche, il y a un peu de tout. Même si je suis plutôt à l'aise de ce côté, il y a une épave qu'on va pouvoir aller explorer. Parce que bon, je regarde, par exemple, le duct tape, je sais pas quoi faire avec le duct tape, moi. Donc, quelque chose à essayer de découvrir tout simplement. Il m'en reste quand même beaucoup à découvrir. Je vais regarder un peu. Côté bouffe, côté tout, ça semble être ok. Est-ce que je peux monter? Ah! Merci. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Par exemple, côté conducteur, il n'y a rien. Plafond non plus, il n'y a rien. Il y a un coin dedans. Je vois rien là non plus. Hop, je suis pris. Mais non, y a rien. Ah, dommage. Hop, attendez, peut-être. Non. Y a rien, tout simplement. Et là, comment je fais pour sortir? Vous êtes pas sérieux quand même. Je vais utiliser l'échelle, comment ça se passe là? Je sais pas comment remonter. Non, pas ici. Ici non plus. Mais comment je vais faire pour remonter d'ici là? J'ai envie de tout casser là. Est-ce que je peux? Ça va me permettre d'essayer un petit quelque chose. Non, je peux pas faire ça. Ouais. C'est sous l'eau, je vois rien. Il y a l'échelle ici, mais on peut pas la prendre. Ce qui est quand même un peu con. Non! Ok. Comment je vais faire, moi, pour remonter, là? Comment je vais faire? C'est un truc de malade, quoi. Allez! Allez, monte! Monte! Tu es grimpeur professionnel. Non! Ah! T'es sérieux là? Je vais devoir recommencer ou quelque chose du genre? Non mais... on rigole là! Ah! Allez! Non! Attendez! On va servir un petit peu d'une Solus. J'imagine qu'il y a une Solus. Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir... Qu'est-ce qu'on me propose ici? Là, présentement, je suis un petit peu en mode pause. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Lorsque je dis que j'étais en mode pause, je suis surtout en mode solution à la place. Dans le sens où je veux chercher à savoir comment je vais faire pour monter, pour m'agripper. Non, ça m'aide pas du tout. Il y a quelqu'un qui... Ah, je trouve pas, non. Je sais pas comment je vais faire pour pouvoir monter l'échelle.
Ah, ça c'est pas Jojo ça! Aïe aïe aïe! L'épave te troll, mais complètement que l'épave me troll! Oula! Oh! Oh! Non! Mais comment? Y'a quelqu'un qui disait, bon, pour monter une épave, bla bla bla, il faut avoir un gros brio. Simplement avoir un palmier et réussir à le faire tomber ou quoi que ce soit. Mais là, c'est pas ça mon problème, là. C'est clairement pas ça. Malheureusement, je peux pas aller voir les options ou quoi que ce soit en jeu. Alors, voilà, j'ai un peu dans l'os, là. Non, dis pas que je vais devoir recommencer. C'est pas comme si j'étais hyper avancé, mais bon. Quand même fort dommage. D'accord. Là j'ai eu des petites drops d'FPS en plus. Mais sérieux quoi. Moi je vais recommencer une autre partie hein, ça me dérange pas. Ça me dérange vraiment pas là. Je vais commencer une nouvelle partie si j'ai vraiment besoin. Il n'y a pas moyen de se rattacher, j'ai pas de bouton. Et là, j'ai regardé un petit peu sur internet, rapido presto, et j'ai rien trouvé. C'est la solution qui me reste. On va tout essayer. Ça, oui, ça c'est bon. Ça, ça fait rien, rien, rien. Rien. Ah d'accord, ça me permet pour pouvoir changer entre les différentes options que j'ai. Parfait. Là je suis en train un petit peu de. Ouais, ça s'est sauté, j'avais tout compris même. Ah oui! Oh non! Je le sens! Je le sentais tellement bien celui-là! Et là en plus, j'ai une perte! Non, 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 ça va pas du tout! Ça va pas du tout! Un instant, les amis! Un instant! Laissez-moi juste repasser! En vieil! Nom de Dieu! Non! On va quitter! Si je quitte, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je suis en train de regarder un peu. Bloom, lens effect anti-aliasing, texture shadow. Tu veux que ça soit loin, ça, ça c'est parfait. Du côté des frames, là je suis justement en train de regarder un petit peu les options ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un moyen? Use. Surtout qu'on peut pas changer les touches. Donc, soit tu les connais, soit tu les connais pas. Après, tu t'organises. Et d'après ce que j'en comprends, il n'y avait aucune méthode pour que je puisse me raccrocher. Vous ne passerez pas. Bien joué, Marc, effectivement. Gandalf, quoi. Ça doit être le nom du navire. Gandalf. Bon, bah écoutez, voilà. Là, je sais qu'il y a eu pas mal de bugs, de ralentissements, tout genre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'on continue l'aventure? En relançant une nouvelle partie, ou est-ce que vous voulez, parce que bon, moi, je m'étais dit
maximum 21h, puisque bon, j'ai malheureusement j'ai d'autres choses quand même après. Donc quelques petits devoirs à faire. Donc est-ce qu'on se relance une petite partie avec le temps qui me reste, ou est-ce que on se lance sur un autre jeu? Ça peut être du Hearthstone, ça peut être du Battleship également. C'est un truc de malade, mais voilà, je propose. Je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, donc je sais qu'il y a quand même un... Comment je pourrais dire? Il y a quand même un retard, ou plutôt un décalage entre ma vidéo, mon live, et le chat. Donc je sais que ça va prendre un petit moment avant que je sois répondu, malheureusement. Mais bon, c'est un petit peu en dehors de mes capacités. Je suis en train de me demander si je devrais pas tout simplement changer de logiciel de stream. C'est quelque chose qui me tourlute depuis un moment. Et j'avoue que ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire d'ailleurs. Je vais aller voir un peu. Je vais continuer à aller voir un petit peu le wiki. Je peux même vous l'afficher à vous. Si je veux faire ça, comment je vais faire? On va plutôt passer, encore une fois, sur le côté gaming, comme ceci. Et je vais, pour l'occasion, fermer la capture de jeu, allumer le chat ici, et amener capture de la fenêtre, voilà, comme ceci. Et si vous me permettez, ordre en bas. Parfait, ensuite éditer. Et donc, je propose juste un petit instant, je voulais m'informer un petit peu sur le wiki. Donc, justement, le regarder et pouvoir l'épier un peu. Il y a Marc qui m'a dit, ben moi, peu importe quel jeu, ça me dérange pas. Parfait. Parfait, tout simplement. Donc, propose juste un petit regard sur le wiki quand même. Et ensuite, eh bien, une ou deux parties de Battleship. Voilà, les 15 dernières minutes même, j'ai presque envie de dire. Donc, on dit qu'il y a plusieurs biomes. Donc, il y a biome de l'île. On me dit ici shallow, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce que là, bon, évidemment, tout est en anglais, donc ça demande quand même de devoir traduire. Je suis juste en train de regarder. Ici, on parle surtout des coraux, etc. L'océan profond, la plage. J'imagine ici que c'est un petit peu... qu'est-ce que je pourrais dire? Ça me fait penser à un petit peu shallow. Shallow. On voit que c'est la place des poissons et des requins-tigres également. D'accord. C'est un petit peu là où il y a des algues, quoi. D'une certaine manière. Je sais pas si je me trompe, mais bon. Ensuite. Et on me dit qu'il y a plusieurs items, donc. Ah ouais! Ah ouais, quand même! Effectivement. Il y a même de la morphine, des lanternes, des jerrycans, d'accord? Il y a également des consommables. Consommables, on a, bon, les noix de coco, on a les patates, on a, oh, la viande de requin, bien sûr, évidemment, le crabe, des sardines et des archerfish. Ah, d'accord. Une sorte de poisson, tout simplement. Ça, c'est bien. Il y a même des véhicules. Véhicules... Le petit lifeboat, on a également, comment je pourrais dire, je vois le mot raft et même dans la vraie vie, je l'aurais dit de telle manière, un radeau, voilà, un radeau en bois. On va pouvoir être également en mesure de pouvoir se faire un avion en plus et également un bateau. Mais bateau wreck, ça veut dire qu'il est, il est cassé le bateau. Moi, je dis ça, je dis rien, mais sorte de véhicule... Bon, rire un peu. Donc, okay. Allez, ça c'est ce qui concerne un petit peu le monde. Alors,
On va aller voir un petit peu du côté du craft cette fois-ci. Donc, on peut se faire, ben, vous le voyez, un couteau tout simplement avec une pierre. On peut se faire une hache, on peut se faire un marteau, une lance. Justement, le petit feu de camp. Le feu de camp avec les roches, comme j'ai fait. Donc, justement, j'étais un petit peu déçu par contre. Je croyais que... je croyais qu'on allait pouvoir remettre un feu de camp parmi les roches. Ça fut pas le cas. Vraiment, là, vraiment déçu. Par contre, parce que j'avais déjà un fire pit, j'aurais pu le faire évoluer vers ben, une nouvelle méthode, un nouveau fire pit, tout simplement. Donc, il me fallait justement un fire pit de base, 3 sticks et un lashing. Donc, lashing, c'était tout simplement les cordes que j'avais récupérées sur les plantes. Alors, c'est quand même plutôt pas mal. Du côté des bâtiments, eh bien, on le voit ici, un radeau. D'accord, c'est la même chose qu'une fondation. Donc voilà, une fondation ici qui demande 8 sticks. Ensuite, des supports, il faut avoir une fondation plus un stick pour faire des supports à chaque, justement, à chaque coin. Ensuite, on peut faire des murs qui nécessitent une fondation, 4 sticks, plus 2 palmes fronds. 2 palmes. Est-ce que c'est en rapport avec les palmiers? Oui, justement, à partir des feuilles de palme, on peut se faire, justement, un mur. Et ensuite, on peut se faire un toit. On peut se faire, voilà, le petit step et également le petit lit au calme, les amis. Justement, lorsqu'on parlait du 5 étoiles, ben voilà. Et bien voilà. Notre 5 étoiles est là. Ensuite, on peut voir, bon, ici les créatures et le vital. Ça, j'ai fait le tour, donc, bon. Voilà, ça c'est fait. Donc, je vais juste repasser, les amis, sur l'écran d'accueil. Voilà, il est présentement 20h42. Je vais tout simplement aller sur mon petit jeu de Battleship et je vais mettre le lien sur... Je vais mettre le lien sur le chat de Twitch. Premier arrivé, premier servi. Donc... Par contre... Il va y avoir de la triche, j'ai envie de dire. Il va y avoir de la triche. Attendez, c'est bon. Donc, je vais pouvoir... La Strandy, puis je vais pouvoir le fermer. Gaming Scene. Battleship, rafraîchir, ok. Non, ça veut pas. Si je le ferme, que je le remets. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Donc, qui a envie de jouer un petit Battleship, les amis? Ici. Ça va être le lien à suivre. Je le poste. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ici, on a le son, tout ça. Ça, c'est parfait. Hop, 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 hop. Je vais sûrement perdre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, j'attends. J'attends que quelqu'un rejoigne. Donc, vous avez simplement à placer vous-même vos propres bateaux. Ensuite, un coup que c'est placé, il reste plus qu'à lancer. Moi, j'arrive avec un décalage. Pas de problème, pas de problème. Donc là, moi, j'ai déjà fait play. Donc, lorsque je vais avoir, justement, un adversaire, celui-ci va pouvoir rejoindre également. Et donc, on pourrait même mettre le jeu en français. Je sais pas si ça va changer. Ça change rien. On est quand même à Battleship. Il devrait pas y avoir de soucis. Donc, lorsque tu es prêt, je sais pas qui joue. Je sais pas si je veux ou quoi que ce soit. Un coup que la partie va être en marche, il va y avoir un chat dans le bas de l'écran. Donc, on va voir... discuter ensemble, voilà. Donc, je veux qu'il me dise que j'y suis. Et bien, voilà, c'est parti. Donc, allez, premier tir, les amis. Alors, on tire. J'appelle un B2. D'accord, c'est à côté. J'y veux qu'il va y aller avec son premier tir. On va même dire un petit allô. Quoique, même pas. Voilà. Le petit message, c'est au tour à JB.
Voilà, ça s'est fait. D'accord, on va tirer cette fois-ci au G7. Rien. Là, on attend un petit moment. On va se faire, voilà, une ou deux parties. Et ensuite, ça va être correct. À côté. À côté encore pour jouer. Je vais finir par en toucher un. Ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est écrit dans le ciel. Dommage. Ça m'étonne un peu, quoi. Il a fait une touche et il a décidé de pas continuer vers cette touche. Je sais pas si vous croyez qu'il était coulé son bateau. Ici, vous pouvez voir justement à votre droite ou à votre gauche, simplement les bateaux qui ont été coulés, les bateaux ou les places également que vous avez touchées. Donc là, moi, je vais tirer ici. Ah là là! Je dois frôler des navires quand même, je peux pas croire. Ben voilà. Ah, dommage. Je vais être sur la verticale. Ah, un petit peu plus haut. Est-ce que c'est le plus gros? Est-ce que c'est un bateau à 3 et c'est le porte-avions? On va suivre. Ah, c'est un 3. Donc, lorsque vous avez touché, que vous avez une touche, eh bien, le jeu automatiquement vous indique les endroits où vous n'auriez pas besoin de tirer puisqu'il n'y a rien. Donc, on n'a pas le droit, par exemple, dans ce battleship, de tout simplement... Comment dire, alors que je vais tirer ici. On n'a pas le droit de pouvoir faire un gros bloc Lego, d'une certaine manière. Alors, on est obligé de devoir séparer au moins nos bateaux. Donc là, vous le voyez, justement, je vais la toucher. Ça a fait tout simplement un beau petit cercle. Alors que là, moi, pour l'occasion, je vais tirer... Là, je sais pas trop où envoyer mes tirs, là. C'est pas très, très coordonné, tout ça. Alors que là, lui, par contre, vous le voyez... justement, ici, ça indique qu'il n'y a rien. Ici non plus. Même chose, lorsqu'il a tiré ici, ça l'a enlevé des possibilités. Alors, au fur et à mesure que la partie avance, si vous êtes en mesure de pouvoir toucher rapidement votre adversaire, et ça sur plusieurs bateaux, eh bien, voilà, ça élimine déjà beaucoup d'endroits sur la carte. Lorsque vous faites une touche, eh bien là, vous pouvez jouer un autre tour, et ça se joue comme ça, et ainsi de suite, jusqu'à mort s'en suit, pardon. Ah là 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 là, ça va pas bien là, stream hack, non, le gars il a mauvaise quoi, Ça va pas bien, là. Seriously? Seriously? Bon, allez. Est-ce qu'on s'en fait une petite dernière? Ou est-ce qu'on arrête ça ici? Parce que, je l'avoue, c'est quand même du grand n'importe nawak. De par une fin de stream sur Battleship. Donc non, plutôt je crois qu'on va s'arrêter ici. Il est présentement 20h49 les amis. C'était un live archaïque quand même puisque pas mal de gens ont tout simplement annoncé qu'ils avaient des problèmes. Alors franchement, je suis désolé. Je suis désolé alors que là, moi je vais fermer ma page. Voilà, ça s'est fait. Et je vais même en profiter pour retomber sur l'accueil. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc non, sincèrement... Désolé pour les problèmes qu'il y a eu. Il va y avoir rediffusion de toute manière dès demain, 26 janvier, donc peut-être même dès demain matin. Je vais faire ça justement ce soir pour essayer de regarder à mettre la rediffusion tout simplement. Et donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'il y aurait dans le chat, j'ai vu qu'il dit une autre. Ben écoute, non, malheureusement, on va s'arrêter ici. On va... Oh, ouais, s'arrêter ici. Oh là! Petite... Malheureusement, on va s'arrêter
ici. Voilà. Est-ce qu'il y a... J'en profite rapido presto quand même. Là, ici, par contre. Hop, je ferme. Voilà, on retourne sur le chat. Désolé, désolé. Donc, rapido presto, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions ou quoi que ce soit? Je suis toujours très comme ça. À chaque fin de live, je me permets toujours d'attendre un petit 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, gros maximum. Ou s'il y en a qui ont des questions ou quoi que ce soit, ça me fait toujours un plaisir de vous répondre. S'il n'y a rien, eh bien, je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Attendre un petit instant. Hydratation en attendant. Il y a juste JB sur le chat, donc ça sera pas dur. Je crois que ça va être correct, comme ça. J'attends encore un petit peu, là. C'est surtout le décalage, surtout qui m'embête toujours un peu. Moi, j'y vais. Bye, Lassio. Ben, écoute, bye, Marc 134. Ça me fut un plaisir. Merci à toi d'être passé. Et n'hésite pas pour la prochaine. Donc, bon, ben, écoutez, comme ça, je vais m'arrêter ici, tout simplement. Je vois que les gens s'en battent, tout simplement. Et c'est bien normal, puisque le stream est terminé. Et donc, ben, écoutez, je le répète encore une fois, mais prenez soin de vous, portez-vous bien. C'est toujours très important. Et puis, à la prochaine, j'ai envie de dire. Allez, ciao tout le monde.